Ok. Ici, il y a un élevage de chameaux et ils font des courses avec. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être un chameau et 640 chevaux. Donc, aujourd'hui l'idée c'est, on va pas trop parler. Le moteur fait la conversation. Au fait, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. On va démarrer lentement parce que l'idée c'est pas d'effrayer les chameaux. En plus il y a pas mal de bébés là, c'est des bébés qui s'entraînent pour faire des courses. Le Dodan perdu dans le désert. Thank you.
Ok, on va essayer de pas écraser un chameau. La nuit commence à tomber, ça tombe vite ici à Dubaï. Du coup, je suis en train de faire des stories pendant que je faisais cette vidéo. Je fais des stories aussi, donc allez me suivre sur Instagram, @CédricAnissette. Et du coup, j'ai un pote en France qui a une Huracan Performante, donc vous savez, celle avec l'aileron derrière. Et du coup, je disais, donc voilà, là on a 640 chevaux et un chameau. Et il me disait, non, c'est pas 640, c'est 610. Et je fais, non, c'est bien la Evo et c'est pas la Evo RWD. C'est bien la 4 roues motrices, Evo, et c'est bien 640 chevaux comme sur la Performante. Donc ils ont rejoint le gap. Simplement, il me disait la différence quand même par rapport à la Evo, celle-ci et la Perf, c'est que la Perf elle est quand même plus rigide, elle est plus hardcore. Il y a un gap de plus, même si c'est les mêmes performances, on va dire, de manière globale. Mais sur la Perf, c'est quand même plus rigide, plus tapu, on va dire, plus hardcore. En tout cas, ça, c'est une voiture que je pourrais avoir. Malheureusement, on ne peut pas toutes les mettre dans son garage, mais il faut réfléchir. On me demandait aussi, est-ce que je pourrais troquer ça contre mon Aventador? La réponse est non, parce que mon Aventador, ça reste mon Aventador, le V12, qui... Ça a encore un autre bruit, une autre dimension, la voiture a encore plus de charisme, mais à conduire ça tous les jours, c'est beaucoup plus confortable, notamment la boîte qui est excellente, la boîte double embrayage. Beaucoup plus confortable et performant que la boîte simple sur l'Aventador. Donc ici on fait attention vraiment, c'est entre les Dolan et les radars. Il y a des radars et des Dolan partout. Là il y a un radar. On se met encore ça. Un Dolan. Et c'est pas un mirage. Celui-ci, si tu le prends, tu vas le sentir. En tout cas, merci les amis. Voilà, l'idée, c'était vraiment juste laisser parler le V10. Le moteur fait la conversation. J'espère que cette vidéo a fait du bien à vos oreilles. Pensez à vous abonner, activer la cloche afin de voir, découvrir quelle est la prochaine voiture que l'on va vous présenter sur la chaîne MC. Dites-moi en commentaire quelle voiture vous aimeriez qu'on vous présente dans la prochaine vidéo. En attendant, moi je vais rentrer à la maison avec Ferruccio. Et ouais, la Evo, la Huracan, je l'avais déjà carrément validée, mais la Evo... C'est encore un step au-dessus, c'est validé. Et je confirme que la Evo, c'est un bonbon. Ciao.